Bonsoir Emiko. Bon allez, est-ce que vous m'entendez? Même si j'ai le casque comme ça, parce que le souci c'est que moi j'ai le son sur la télé. Du coup, si je mets le casque sur mes oreilles, j'entendrai pas trop bien le son du jeu, quoi. Alors au début, je voulais pas mettre la caméra, hein, parce que je suis pas trop à l'aise pour tout vous dire. Donc bon, si c'est bon, commande standard, détection des mouvements surtout pas. Et vous me direz pour le son du jeu aussi s'il est trop fort. Le son du jeu. Ok. Paramètres. Audio. Hop. On va baisser jusque-là. Ouais. Confirmé. C'était vraiment très très fort ou pas? Merci Clapstock. Et coucou au passage. Tu m'as mis la pression hier, hein? À me dire là qu'il fallait venir là, ça me. Hein? Bon allez. Donc j'ai baissé le son, vous me direz après si c'est bon ou pas. Hop. Peut-être un peu trop baissé, du coup moi j'entends rien. Bon, on va peut-être remettre un peu de son parce que ça m'a l'air un petit peu audio. Salut Géon! Bon, allez hop, c'est parti, on va commencer. Je fais l'appel, est-ce que tout le monde est là? Levez la main. Alors par contre, j'ai pas envie de voir mon propre stream en fait, il m'intéresse pas trop. Salut Noskeku! Donc vous êtes avec moi, vous allez me soutenir hein, parce que moi j'ai peur. Est-ce que le son du jeu ça va déjà? Oui, ça j'avais bien compris. Salut Bibi. Contente que tu sois là. Salut Ch'ti Moustique. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Graou Clapstock. Ah, ça fait bizarre de se retrouver de l'autre côté hein, d'un coup. Oui, parce que j'ai la fibre. Alors. Après, on passera sans doute, enfin ça dépendra, je sais pas combien de temps on va jouer à Until Dawn, mais on passera sans doute à un autre jeu après sur PC. D'accord, bonjour toi. Ouais, Théodrome, ça. Oh, c'est pas vrai, j'arrive pas à croire que t'aies vraiment fait ça. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement... Le son du jeu, ça va toujours? Ça va, elle le mérite. C'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur Malaga. Arrête pas de lui tourner autour. Ah, je protège juste ma copine. Et c'est pas parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus. On veut sûrement pas dire bonjour à tout le monde, Mike, enfin bonsoir à tout le monde, parce que... Je suis le mec de personne d'autre. C'est ça, t'as raison, chérie. Oh putain, un chic. Anna! Ah, ça commence bien. Bon. Elle arrive. Chut, chut, chut. Mike.
Mike ? C'est Anna. Salut Anna. Ouais, grosse surprise. Ben moi, ça fait un moment que je voulais le faire, Billy, parce que ce genre de jeu, c'est pas le genre de jeu qui me déplaît, enfin qui est que des QTE ou etc. C'est un genre de jeu, ça dépend du contexte et de l'ambiance. Là, le contexte me convient. Papa a dit qu'on serait seul ce week-end. Slasher, un peu, tout à fait ce que j'aime, quoi. Josh. Alors Josh. Alors. Comment que ça se joue? Qu'est-ce qu'on fait? Ça doit être vachement difficile. Il suffit de bouger son personnage et d'appuyer sur les touches. Salut Zazou. Didacticiel, merci bien. D'accord, ok, ça, je pense qu'on avait compris. Les objets en surbrillance. Est-ce que je peux lui frapper la tête avec R2, ok. Ok. Ouais, donc nickel. D'accord. Merde, Josh. Une fois de plus, frangin, tu t'es surpassé. Bon, désolé, hein, j'écoute aussi un petit peu ce qui se passe, parce que pour tout vous dire, là, depuis le début que j'ai commencé, j'ai pas du tout suivi. Bon, donc ok, donc on va voir regarder ça, c'est quoi? Alors, maintenez R2 enfoncé, oui, d'accord, ça j'avais bien compris. Anna, t'es trop sexy avec ce haut, mais je parie que tu l'as encore plus sans. Viens dans la chambre d'amis à 2h. Pardon, il est quelle heure? Dans quel merdier notre sœur s'est encore foutue? Ah. Parce que si je le mets là, ça va. J'ai l'air un peu con, mais... un peu conne. Peut-être qu'on devrait commencer à, tu sais, exploiter et voir où ça nous mène. Ah, alors si par contre, si vous commencez à parler bouffe sur le chat, ça va pas le faire du tout. Ouais. J'ai pas mangé. Pardon, alors attendez, il y a une scène intéressante. Chut. Oh putain, elle relève son haut. Quoi? Oh putain, c'est pas vrai. Ah bah bravo. Matt? Quoi? Qu'est-ce que vous foutez là? Bah, ah bah bravo. Anna. Désolé Anna, c'est parti en vrille, mais... Ah, ça y est, ça commence. Ne laissez jamais une bande de jeunes tout seul. J'ai l'impression d'être une vieille conne quand je dis ça. Rejoindre, ok. Rejoindre quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord, faut choisir en fait. Allez, réveillons Josh. Je ne sais pas. Je suis une femme, je suis faible, j'ai besoin d'un homme. S'il te plaît, j'ai peur. Non, bon, bah salut. Malheureusement, cet homme est ivre mort. Quoi? Où est-ce qu'elle va, ma sœur? Oh, c'est bon. Elle a aucun humour. C'était juste une blague, Anna. Ouais, elle était trop drôle, ta blague. Vous la déconnez, Bess. C'était juste pour rire. Bande de sale con. Anna. Je compte le nombre de fois où ils disent con, conne, tout ça. On va peut-être la chercher. Tu sais, à mon avis, t'es la dernière personne. Théodren, ne parle pas de Spitburger. Et il est pas fermé, je pourrais, mais... Oh, merde. Ah oui, donc, un petit QTE. Allez. J'ai besoin de concentration pour appuyer sur des boutons, s'il vous plaît. Non, prudent. Alors. Qu'est-ce qu'on fait? Prudent ou pas? Allez, prudent. Itz est là? Ah, Itz! Salut, Itz! Faudrait peut-être que je regarde l'écran, par contre. Que se passe-t-il? Suivez les pas, peut-être, je ne sais pas. Allez, suivez les pas. Pourquoi, je ne sais pas. Mais ce n'était pas des pas. Mais arrête de souffler, mais... Merde! Oh putain! Putain, Anna! Mais t'es où? Je crois que cette femme est asthmatique. Merde.
enfonce-toi bien dans la forêt, dans la neige, en pleine nuit. Utilisez le pavé tactile comme indiqué. D'accord, donc il faut que j'utilise le pavé tactile. Bien sûr, de ma superbe manette. Ah. Mise à jour du statut. Vous pouvez diriger le faisceau lumineux à l'aide du joystick droit. D'accord. Anna, es-tu dans les arbres ? Non. Par contre, oui. Oh oui, Kimu, il est vulgaire ce jeu. Tiens, salut Kimu d'ailleurs, au passage. Qu'est-ce que c'est ? Un animal sauvage ! On n'a pas d'arc dans ce jeu ? Non, bon. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh oui, non, mais tais-toi, j'ai pas envie. Bon, eh bien, c'est sympa. Chloé, t'es là ? Chloé, es-tu dans l'arbre ? Ah plus, Zarouk, c'est quoi ça ? Une chaussure. Ah oui, c'est vrai que Zarouk a dit qu'il ne voulait pas regarder puisqu'il voulait le faire un jour. D'accord. Ok, qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, parce que forcément, hein, ceux qui veulent pas être spoilés... Oxylam est là ? Coucou Oxylam, si tu es là. Alors, j'ai pas du tout vu ce qui s'est passé. Ce qui est bien, c'est que... J'ai pas encore l'habitude de regarder le chat et le jeu en même temps. Il n'y a pas un truc qui... Ah non, je crois qu'il y avait un truc qui brillait, mais non. Alors, putain, Anna, t'es où ? Anna, tu fais chier. Anna, je veux rentrer à ma maison maintenant. C'est bon, on a assez joué à cache-cache. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Merde, c'était quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, arrête. Regarde par là. Ou non, attends. Et si je peux y aller ou pas ? Non, je peux pas. Je suis obligée de suivre le chemin, en fait. Anna ! Anna ! Oui ? Salut, Anna. Carter. Non, non, vous inquiétez pas. Carter n'est pas un... Tiens, mon tout va bien. Quelle conne je suis ! Je suis trop stupide ! Tu remarqueras que j'ai arrêté la webcam au bon endroit. Hein. Anna, baisse. Putain, eux, allez. Anna. Ah non. Ah ben voilà. On n'a plus de lampe torche, on est foutu. On n'a plus de portable. Comment va-t-on aller sur Twitter ? Non ! Merde ! Non ! Va-t'en ! Merde ! Non ! Au revoir ? Ah non. Tiens bon ! Tiens bon ! Salut ! Oh, qu'est-ce que tu es moche ! Ah oui, bien sûr. Ah, on fait quoi, on fait quoi ? On laisse tomber Anna, allez, on est des salauds, on va laisser tomber Anna. Enfin, si j'y arrive. Hein. Ouais, non, mais je tente. Non, oui, d'accord, ok. C'est pas... Ouais, voilà. Oh ! D'accord, bon, ben, voilà. Deux poufias en moins. Avant de commencer, il y a quelques points que j'aimerais clarifier avec vous. Personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière. Alors, c'est une très bonne idée, je vais aussi prendre un café. Vous devez l'accepter pour pouvoir aller de l'avant. Mais cette révélation prouve que nous avons le choix. Toutes vos actions, toutes vos décisions... Bien sûr, salut à tous ceux que je n'ai pas vus. Hein. Essayez de vous en souvenir. Parce que ce jeu demandait extrêmement de... beaucoup de concentration. Chacun de vos choix, énormément de gameplay. Votre destin et le destin de vos proches. Santé.
Bien. Oui, parce que je regarde, je regardais le chat en même temps et du coup j'ai. Et je vais vous aider à le mener à terme. Ouais, Noirdez, c'est pareil. Parfois, il me dit quelque chose, mais. Parfois ces choses peuvent être effrayantes. J'arrive pas à mettre un nom voire dessus. Terrifiantes. Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode, quelle que soit l'angoisse qu'elle procure. Bon. Commençons par un exercice. C'est la tête simple. De quel acteur ? Veuillez prendre la carte. Ah, Bibi, je sais pas, j'ai pas fait The Order. Et regardez je peux pas te dire. De l'autre côté. Dites-moi ce qu'elle vous inspire. Et rappelez-vous, il est primordial que vous soyez franc pour que l'expérience porte ses fruits. D'accord, Bibi, mais je ferai une recherche Google parce que là, de nom, je vois pas Peter's. Stormare, genre je sais pas trop quoi, enfin bref. Alors qu'est-ce que. Oui, et donc. D'accord. Alors, qu'avez-vous ressenti face à cette image ? Attention, vous devez être franc. Du malaise ou de la joie ? Bah, du malaise, parce que j'aime pas les épouvantails. C'est bien. Quel est l'élément qui vous attendez, a le chat essaye de se faire joie. Une place. Je n'ai pas entendu c'est paisible, le soleil, je ne sais pas. J'ai pas entendu ce qu'il a dit. Hop, allez. Le soleil, je vois. Merci Bardak, très bonne citation de The Big Lebowski. Ce que vous ah putain, ça y est, c'est bon, j'ai compris de quel acteur vous parlez. Ok. non. Ouais. La peur, vraiment. C'est intéressant. Oui, dans mon pays, au nord, en Suède, les nuits durent 18 heures. Et pour quelle raison auriez-vous peur du noir ? Parce qu'il y a des monstres qui se cachent sous mon lit. Eh bien, c'est une peur tout à fait légitime. Le noir, après tout, c'est ce qu'on ne voit pas. Et donc, l'inconnu. Il n'y a pas de peur plus grande que la peur qui naît. Je vais noter ça sur un carnet, c'est trop beau. J'ai pas de carnet sous la main. Eh bien, on dirait que cette session. Ouais, c'est vrai, les animations faciales, ouais, sont mais plutôt pas mal, je trouve aussi. Très bientôt. En attendant, je vous conseille d'éviter les endroits sombres. Salut Raph 2929. Oui, par contre, ouais. Ah, le jeu commence, c'est bon. Salut Gramoule. C'est vrai qu'il va falloir que je pense à nommer d'autres modérateurs parce que Julien... Ah si, il est là. J'allais dire... Heureusement que t'es apparu, j'allais dire quelque chose de très méchant à ton sujet. Oui, c'est ça, le jeu est fini, merci, au revoir. C'était sympa. Putain, Alexandrin, j'aimerais bien qu'il y ait un bouton de donation, parce que vu ce que tu donnes à Clapstock... Ah bah en plus, il y avait son nom à l'acteur, juste là. Oh, dis donc, Julien, tu te calmes. J'ai tous les pouvoirs ici, fais gaffe. Je peux te ban, je peux t'enlever ton épée. Tu vas voir, ça fait tout drôle. Non, je sais pas, ça m'est jamais arrivé. La musique est sympa. Putain, mais Clapstock, mais putain, mais. Du terrible drame qui a eu lieu sur le mont Washington. Flocal, Annie Clark, voilà. Qui est chargée de l'enquête. Putain, merci désolé. Pour recevoir, Marty. Aux auditeurs de la situation des malheureuses jumelles. Toutes mes confuses. Anna et Bess Washington. Il y a tout juste un an, les filles Washington ont quitté la sécurité du chalet de leurs parents en pleine tempête de neige. Thèse de l'homicide. Pas officiellement, non. Une personne en particulier retient toute notre attention, mais nous ignorons toute son emploi du temps. Il a
des antécédents intéressants avec la famille Washington. Un mis en garde contre la poursuite de leur projet de construction. Et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne. Ce pourrait être. Hôpital psychiatrique, montagne. Mes hommes ont fouillé le terrain, mais. Théo, les filles n'ont pas pu aller jusque-là. Quelque chose dans cette montagne semble déclencher des tragédies. C'est rien de le dire, Marty. Merci d'être venu nous voir. Au Washington ce soir, fils Josh, à l'occasion de l'anniversaire de la mystérieuse disparition d'Anna et Bess Washington. Salut à tous, habillé de femme. Ah, ok, ouais. Okay. Je ne sais pas, lui, il a une petite tête de con. Salut à tous, amis et fans. C'est vraiment ce que je peux lui dire, j'aime pas ta gueule. Pour trouver cette année. Voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. Wow. Donc, je voudrais prendre une seconde. Oui, bien sûr, Gizmo, tout à fait, je vais finir le jeu aujourd'hui. Que vous faites tous du souci pour moi, et je sais que ce sera sûrement dur de retourner sur place après ce qui s'est passé l'an dernier, mais je tiens à vous dire une chose, ça me touche. Ça me touche énormément qu'on fasse ça. Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des moments. Arrête, je vais verser ma petite larme, s'il te plaît. Et je le fais pour mes sœurs. Ce discours est tellement beau. Vous voyez. Ok, donc. Allez, on fait la fête comme des dingues et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires. Ok, c'est parti. Alexandrin. Tu veux dire une caméra même dans la litière du chat? Parce que je peux, hein, y a pas de soucis. Hein. J'aime bien la musique. Salut de la cour. Non, j'ai pas eu pénis à la passe de Pines. C'est pas vrai. Que sur le chat, on essaye on joue à celui-là qui a la plus grosse. Mais qui est Bibi, hein? Bibi, je t'invite à te présenter et à donner donc ton Twitter, tout ce que tu fais, quoi. Clapstock, non, c'est bon, hein. t'as trop de viewers, toi. Alors, appliquer Sam, meilleure amie d'Anna, bienveillante, audacieuse. D'accord. Eh oh! Y'a quelqu'un? D'accord, déjà t'arrives dans la forêt, ok. Oh, le petit sac à dos. Oui, je sais, merci. Et alors? Qu'est-ce que. C'est bien. Ça, je le sais déjà. On l'a déjà expliqué tout à l'heure. Le petit sac à dos, la petite jupette là, ça fait très. Effectivement. Enfin, c'est le jeu qui veut ça, hein. C'est normal. Hein. J'aime bien. Mais j'attends que ça, impatiemment que ça décolle un peu. Bah oui, Clapstock, je suis désolée, mais pas trop, en fait. Merci, la fibre. Le portail est cassé, grimpe par-dessus. D'accord, super. Bon. Bah, allons-y, hein. C'est parti. Mais non, on grimpe. Oui, c'est pas grave. Ouais, bon.
Alors, grimpons par ici. Oui, hein, parce que j'ai même pas demandé, mais... allez, soyons rapides. J'aime bien les gens qui sont rapides. J'ai pas demandé la qualité, tout ça. Ça va, tout roule chez tout le monde. Tout le monde est content. Grimper encore, allez. D'accord, merci Julien. Ok, tout le monde, donc je bois ce stream, la qualité roule. Ta gueule chicken, c'est propre des... D'accord. Alors, promenons-nous dans les bois. Oh, un petit écureuil, comme c'est mignon. T'as faim ? C'est ça ? Ok, je bouge pas. D'accord, j'ai bougé. Hé, n'aie pas peur. C'est bien, allez. Bien sûr, un écureuil, quand tu lui... Je ne bouge pas. Quand tu lui donnes des trucs comme ça, il approche. C'est bien connu, un écureuil, c'est vachement... T'es chou. Proche des gens, comme ça. Gramoule. Si, maintenant je l'ai lu. Voilà. Donc, du coup, j'ai pas lu ce qui s'est passé. Mais c'est pas grave. Fâchez pas mon clapstock, hein. Attention. Alors. Bah, pour l'instant... tout se passe bien. Bon, alors j'ai 3 modos, c'est bon. J'en donne pour l'instant pas plus. Alors, la population indigène et les prophéties des papillons. Les tribus qui vivaient autrefois dans ces montagnes pensaient que les papillons transportaient les rêves et prophéties de possibles futurs. La couleur des papillons indiquait la nature de la prophétie. Les papillons noirs annonçaient la mort de la personne en train de rêver. Les papillons rouges prévenaient de l'arrivée d'un événement dangereux. Tragédie. Non, ça y est, j'allais chanter, mais non. Les papillons marrons prédisent une tragédie, touchant des amis. Conseil, les papillons jaunes offraient des visions pour aider et guider. Chance, les papillons blancs apportaient des rêves de chance et de bon augure. Ok, dans 2 secondes, j'ai tout oublié. Ah non, c'est quoi encore ça ? Vous découvrirez des totems au cours de vos explorations. Ramasser un totem et le retourner révélera un papillon coloré et la prémonition d'un futur éventuel. D'accord. Ok. Totem conseil. Du conseil. Mais c'est Koh-Lanta. Jaune conseil. Un conseil pour un choix que vous devez faire. Les tribus indigènes pensaient que... Oui, enfin ta gueule. Donc... un tour pour voir votre collection de totems. Ouais, donc ok. Bon, on va rentrer direct. Alors. Liz, est-ce que t'es là? D'accord, forcément. Ton sac est là, dis-toi. T'es pas dans le sac quand même. Mais si, mais en petits morceaux. Regardez-moi ça. Salut Pseudoless. Bah fouine. Ah ah. Mais qui voilà. Salut fouineuse. Chris.
actrice, elle bégaye pour Ashley, protecteur, comique. Putain, ça se voit à sa tronche. Mais il aurait dû s'appeler Julien, dis donc. Attends voir, t'es pas mon assistante? Mais ça sonnait. Cool, bien. Merci de m'avoir prévenu, je vais m'en occuper. Ouais, de la cour, ouais. Les écureuils vengeurs. Oh, alors, j'ai trouvé un truc plutôt incroyable. Quoi? Je te dis rien, il faut que tu le vois toi-même. Viens, c'est par là. Oh, où? Juste à côté, tu vas halluciner. Alors, qu'est-ce que tu veux me montrer? J'aime pas trop qu'on m'attire seule comme... Attends, c'est quoi ça? Indice trouvé, oh, avis de recherche. Pardon, excusez-moi, je... Oui, si, attends. Ah, alors, par contre, les demandes d'amis, ok, on verra plus tard. Avis de recherche, emplacement station du téléphérique. Une affiche déchirée datant de 1998 mentionnant un fugitif recherché dans la montagne. Quelqu'un a voulu éviter que des gens tombent dessus. Alors, recherché, 1000 grammes Victor, sexe masculin, taille 1m88, ne pas mélanger ces deux phrases. Dernière adresse connue, Blackwater Pines, ne pas mélanger ces trois phrases. Vu pour la dernière fois, le 16-3-98. Coucou Pentaro! Recherché pour un incendie criminel au premier degré ainsi que pour diverses menaces de mort. Toute personne en possession d'informations concernant ce dangereux criminel est priée de contacter la PMPB dès que possible. D'accord. Au revoir. Sympa. Tu crois qu'on va nous retrouver dans la rubrique fait divers? On dirait que quelqu'un... C'est gentil, Pentaro. Dis bisous. Alors... Tada! Fait, non? Ouais! Quand même! T'as vu, c'est merveille? Merveille, c'est pas le mot qui me viendrait à l'esprit. Qu'est-ce que ça fout là? Comment ça? Bon, pourquoi installer un stand de tir au pied d'un chalet de ski? Dis, toi, t'as jamais rencontré le père de Josh? Non. Il se prend genre pour Davy Crockett. Tu veux essayer? Non, après toi, Crockett. D'accord. Ok, allons-y. Ah oui, d'accord, ok. Mais il y a du gameplay, arrêtez! Oh putain! Alors, et appuyez sur R2 pour tirer. D'accord. Bonsoir, Sun Freezes Back. Cet homme a fait énormément de fêtes foraines, ça se voit. Waouh, joli tir, Cowboy. D'accord, je suis un dur. Je suis un gros dur. On va dire que bah oui, si tu veux de la cour, je peux mettre les sous-titres. Non, tu te plantes, gamine. Bon, attends, déjà je finis ça. Bah, n'importe qui pourrait avoir cette bouteille à cette distance, vu sa taille. Vas-y, on va tuer l'écureuil. Non, je déconne. Hein. Ah mais non, mais ça va pas, non. Joli tir. Et regarde-moi ça. Bah, je pense que tu peux tirer à côté, mais bon, bah là c'est trop tard. Avec les 30 secondes de décalage, ou je ne sais plus exactement combien. J'ai vu ta proposition trop tard, j'aurais bien essayé, ouais. LS, ok, mise à jour du statut. Bon, bah allons-y, hein. Il y a un moment donné, il va falloir rentrer. C'est vraiment bizarre de revenir ici après une année entière. Ouais, c'est clair. Dès que je suis arrivée. C'est surtout extrêmement con de revenir ici, mais enfin. Ah non, c'est rapide. C'est bon, on peut rentrer là ça, au bout d'un moment? Elle est fermée. Josh voulait qu'on la laisse fermer pour pas que les gens... Il a dit ça? Quels gens? Je sais pas. Il a dit qu'on avait trouvé des gens qui dormaient dans la station. C'est flippant. Alors... Pousse-toi, laisse les hommes faire.
Nous savons ouvrir des portes, nous. Effectivement. Un sac à main avec un écureuil. Pas de drôle de goût. Hein. Moi, je préfère quand même les crocodiles. Mais enfin, bon. Donc. Je pensais que c'était plus près. Bon, on va attendre. Je commence à voir l'intérêt de passer du temps au stand de tir. Combien de temps ça va prendre? C'est une grande montagne. Alors, ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est beau de jour, mais de nuit, elle paraît tellement menaçante. On dirait un géant endormi. C'est vraiment un drôle d'endroit. Pour un esprit et un corps sain. Même en étant plein aux as. Ils sont pas si riches. Ils ont acheté qu'une montagne. Bah, plus Pentaro, je suis désolée. Pour ta connexion. Alors, je suis sûre que soit on pouvait voir quelqu'un, soit... Mais comme je suis un peu myope... bon, bah c'est sympa, hein. Bon, il est sympa. Sur ce, hein... Enfin, on y va. Ouais, bah, je pensais plutôt rester là et roupiller, mais... Ok. Alors, est-ce que, du coup... Deux minutes. Est-ce qu'on peut mettre les sous-titres? Paramètres. Sous-titres. Voilà. Avant d'y aller, non, il n'y a rien à prendre, il n'y a rien à faire... Mais t'as raison, de la cour finalement, même pour moi ça sera mieux parce que j'ai pas mis le son de la télé trop forte et du coup j'entends pas forcément tout quand je parle. Ouais, comme au bal de promo. Bah de rien, de la cour, tu sais. Allons-y. Bien. Ce fut simple. L'aventure commence. Oh, j'espère qu'on va pas le regretter. Quoi? Tu sais... Ah, ça parle des films de Rodriguez. Parce que Josh avait l'air tellement motivé pour qu'on fasse quelque chose. Bah non, carrément, c'est clair. Je l'avais pas vu aussi motivé. Ah, je suis pas du tout vos conversations, je suis désolée, ça viendra avec le temps, mais là j'ai un peu de mal à suivre tout le monde. J'étais un peu inquiète. Non, non. Bon, à part Chicken qui raconte un peu de la merde tout le temps. Ça, j'ai pas trop de mal. On est tous là, non? Merci, c'était cool de te parler. Tu sais quoi, franchement, arrêtons d'en parler et profitons du trajet. Tu sais comment j'ai connu comment Josh? Comment qu'on peut bien profiter non. du trajet? En CE2, Josh s'est assis au fond de la classe et moi au premier rang. On ne se connaissait pas. Mais l'enfant aussi, assis monsieur, à côté de Josh a commencé à tirer sur le soutien-gorge de la fille devant lui. Et le prof l'a fait venir au premier rang, là où je me trouvais. Ok, et? Bah, j'ai dû aller au fond. Et? À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Mais quelle formidable anecdote! Le couple idéal, quoi! Et si c'était justement parce que Jenny Simmons avait atteint la puberté avec 3 ans d'avance et que ce jour-là, son soutien-gorge avait dépassé de son décolleté? Hein? Qui sait? Tu pourrais être seule dans ce téléphérique en ce moment même? Ou carrément, avec quelqu'un d'autre assis à côté de toi? Boum! L'effet papillon! D'accord. Bon alors quand est-ce qu'on a peur? Oh là, voilà, c'est bon, j'ai peur. Elle a un sourire un peu figé, c'est bon, direct, elle m'a fait peur, c'est bon. Ça y est, je me suis fait pipi dessus. Assurée, Jess, la nouvelle copine de Mike, naïve, irrévérencieuse. Oh, putain, oui, naïve, ça se voit, oui. Tiens, 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 de nouvelles personnes, allons les accueillir. Allez, allons totalement à l'opposé. Bon allez, on peut marcher plus vite, c'est vrai. C'est quoi ça? J'ai cru qu'elle s'était mangée la vitre pendant un instant. Mais qu'est-ce que vous faites là-dedans? On est coincé dans ce truc là. Tu peux nous aider à sortir, s'il te plaît? Bibi, voilà Jess.
Apparemment, tu as l'air de l'apprécier. Parce qu'elle est blonde. Bordel. J'ai cru qu'on était fichu. 10 minutes de plus et j'aurais commencé à mâcher ma jambe. Et parce qu'elle a un jean qui moule quand même vachement. Regarde, j'ai plein de viande sur mes os. Et c'est que du muscle ici. Ouais, bien sûr. Salut, Captain Gobelin. Hop là. Je fais juste ce que ça m'a appris. Les pensées personnelles des gens sont un terrain de jeu personnel. Tu peux arrêter de faire le con. C'est pas vrai. On dirait que quelqu'un a un faible pour notre cher camarade et délégué de classe, Michael Monroe. Chris. Et quel genre de vilaine pensée notre Jessica. De la cour, elle roule beaucoup du cul, puis elle a pantalon qui fait que... Alors, je suis avec Mike maintenant. Oui, tu es naïve. Allez, je suis avec Mike maintenant. Mike et M, c'est fini. On est ensemble. Oula. D'abord. Dur. Pas vraiment. C'est très simple en fait. M dégage, moi j'arrive. Oh. D'accord, d'accord. Rentrons simplement au chalet. J'en ai marre de cette nature et de ces conneries. Allez-y en premier. Moi je vais attendre un peu ici. Pour voir qui d'autre arrive. Tu veux dire Mike? Quoi? Je veux dire. Peu importe, on verra. Sam. Oh, vous voyez cette vue? C'est vraiment magnifique. Parfois, j'oublie de juste m'arrêter pour respirer un bon coup. La bardaque, de toute façon. Sérieux, ils auraient pas pu construire le chalet juste à côté du téléphérique. Elles ont l'air d'être un petit peu toutes un peu des poufs, non? Intelligente, Emily, ex de Mike, entreprenante, persuasive. Oui, ça se voit. Je pense pas que ça aurait été aussi joli. Bonne app, Clapstock. Motivé, Matt, le nouveau copain d'Emily, ambitieux, sportif. Tu vois. Et notre porteur, hein? Il est où? Oui, pardon, j'arrive. À vos ordres. J'avoue, le début est long, hein. Oh, j'ai des frissons. Il y a presque. Non, c'est juste que je commence à faire. Bizarre de revoir tout le monde là-bas. Ce sera sûrement pas une fête comme les autres. Enfin, qu'est-ce que t'en penses? Putain, mec! Toi déjà, je t'aime pas. Débrouillard, déterminé, persuasif et vraiment très con. Ils ont oublié de marquer ça. Sérieux? Michael! Vous auriez vraiment dû voir vos têtes, sérieux? Putain, mec! J'ai failli te frapper. Ça part. Michael, t'es trop con. Oh, merci, allez, mais tu vois, voilà, je suis pas la seule à le dire. On n'a pas besoin de violence, c'était juste pour se marrer. On est dans les bois, ça fout les jetons. Allez, faut se mettre dans l'ambiance. Se mettre dans l'ambiance? Sérieux? Tu te fous de ma gueule? J'essaie de détendre l'atmosphère. Ouais, mais je vais pas trop sursauter, parce que je suis pas à fond dans le jeu, faudrait que je me mette à fond et que j'arrête de vous lire, en fait. Allez, dégage, Mike. Je suis sportif, je vais te péter la gueule. Michael, tu vas devoir t'y faire. Avec la petite lueur dans l'œil. Et il n'y a rien à dire de plus. Et je vais pas te le répéter. Est-ce qu'on se comprend bien? Eh ben, je pensais qu'on pouvait dépasser ça. Bah, même Bardak, c'est fait exprès. Pote, c'est vraiment le type du slasher movie, quoi. Non, c'est vraiment. Non. Ça va aller, je vais continuer mon chemin. Être plus mature. C'est vraiment les caractéristiques du truc, quoi. A plus. Il a compris le message. Tu sais que t'es excitant quand tu fais ton mal dominant. Ouais, mais il fait trop froid pour faire quelque chose dans la neige. Tu peux prendre ça pour moi, s'il te plaît? Les sacs? Ouais, tous les sacs. Pourquoi? Il faut que j'aille trouver Sam. Ok. Ah, je suis désolée, c'est juste qu'il faut vraiment que je la voie. J'avais complètement oublié que je devais lui parler avant qu'on arrive là-haut. Ça peut pas attendre. On y est presque. C'est important. Matt, s'il te plaît. Non, laisse-la. Bon, d'accord. Si c'est si important, je peux faire la mule le reste du chemin. Mais tu m'en dois une. Pardon? Bon, on est quitte au moins. Je vais y réfléchir. Fais attention. On se retrouve là-haut, chérie. Merci. Oh putain, mais c'est plan. Le
Le jeu où ça roule du cul. Salut Manouchka TV. Studieuse Ashley a le béguin pour Chris. Alors déjà, je vous l'avoue, je suis déjà perdue dans les prénoms. Qui c'est Chris déjà? Je sais plus. C'est le... Ah oui, d'accord, je sais, c'est bon. Alors, qu'est-ce que... Bonjour. Ouais. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Pas vraiment dans le bon sens du terme. Faudrait peut-être vérifier la date de péremption de la rupture. Ah, alors si les histoires de cul s'en mêlent... Salut Chicken, barre-toi. À plus tard. Adieu. Ah, oh, putain, mais quel enculé. Désolé. Je voulais te faire peur, oui, mais pas te faire peur pour de vrai. C'est pas vrai, tu fais chier. Oh, non, mais désolé, H, sincèrement. C'est bon, ça va. Qu'est-ce que tu regardes? T'as vu un truc intéressant? Laisse-moi regarder. Ça y est, bon, arrêtez de vous foutre de ma gueule, hein. Non, mentir, parce que bon, on va pas foutre la merde tout de suite. Non, c'est un peu cassé. C'est pas vraiment intéressant, quoi. Quoi? Enfin, c'est juste... Sérieux? Je parie que je pourrais trouver un ours en train de bouffer un renard ou un truc du genre. Bah non. Non, vraiment, Matt, t'abîmes pas les yeux avec ça. Le simple fait de regarder dedans m'a donné mal au crâne, alors non, non. D'accord. Bah, pas de soucis, si tu le dis. On foutra la merde après. Je sais pas si j'ai envie de les garder tous en vie, si j'ai envie de les... Non, je sais pas. J'hésite. Déjà, la blonde, elle, non, j'ai pas envie de la garder. Une blonde prendre un livre, non, mais ça va pas. T'as pas osé faire ça. Mets tes mains là où je peux les voir. Discerner. Mais faut les tuer tous. Quel autre choix pour moi, une jeune et jolie rebelle, que de me rendre face au policier mignon qui veut m'emmener au poste? Oui, je suis pleine de préjugés sur les blondes. Courir vers le banc, faire une boule de neige. Eh oui, faisons des boules de neige. C'est trop drôle. Bah, j'en sais rien, si tu présentes ça comme ça... Hey. Ah non, merde, je me suis trompée de bouton, pardon. Tiens. Oh ouais. Super. Tu vas payer. Qu'est-ce qu'on se marre. Où est-ce que tu caches ma petite... Voilà, la petite musique derrière. Ça va finir, ils vont se rouler dans la neige. Ah non, mais je vais quand même... Ah putain, dommage, j'aurais pas dû appuyer, j'avais envie qu'elle se prenne une boule de neige dans la tronche. Allez, la prochaine fois, j'évite pas la boule de neige. Hein. Oui, Kimou, il y a un endroit bien spécifique. Parfois, ne rien faire est le meilleur des choix. Voilà. Il y a un endroit bien spécifique derrière la tête. Non, mais arrêtez de me proposer de tuer des animaux, enfin. Non, non, mais attends. Non, excusez-moi, je... Non, je l'évite pas. Tiens, c'est prends ça. Drôle, pardon. Ça suffit. Oh non, ça suffit pas. Tu vas finir par terre. Oh mais oui, c'est ce que tu cherches depuis le début. Eh ben voilà, j'avais bien dit que ça se finirait par... Par rouler comme ça dans la neige. Alors, j'ai fini par terre. Je crois pas. Je crois que tu le saurais si c'était le cas. D'accord. Alors, te rends-tu, ville Manon? Vous savez que le froid, quand même, sur les hommes, ça a un effet pas très, très valorisant, quand même. Ça sonnait un peu sale, là. Madame. Faire une boule de neige. Tiens. Oh,
Ah, ça refroidit, hein. Ok. Ok, toi, tu vas être puni. Puni comment? Eh bien, j'ai une petite idée. Ouais. Mais je garde ça. Petit coquinou. On devrait rentrer au chalet. Ouais. C'est joli. Non, en fait, j'ai pas fait. C'est R1, pseudo-laisse. En fait, sans faire exprès, j'appuie sur R1 au lieu d'appuyer sur R2. Toujours, mais donc, si on restait à s'embrasser tout le temps. Juste s'embrasser? Bah, entre guillemets. Eh bien, je crois que nous finirions complètement gelés entre ces guillemets. Ouais. Ça dépend des hommes, oui, oui. Il n'y a pas assez d'explosions, c'est vrai, je suis d'accord. D'ailleurs, je me trompe avec... non, en fait, je dis de la merde, j'ai rien dit. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Bah, pour l'instant, je me fais un peu chier, mais ça va. Nous avons à peine effleuré la surface la dernière fois. Donc maintenant, essayons d'approfondir les choses. Aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir l'origine de vos angoisses. A plus, Bibi. Des bisous. Prenez ce livre. Merci d'être passé. Feuilletez-le. Vous y trouverez des images et des symboles. J'aimerais que vous me montriez sur chaque page l'image qui vous effraie. A plus, Noirdez. Merci aussi d'être passé. Des bisous. Alors, les hommes m'inquiètent, les femmes m'inquiètent. Tournons les pages. J'ai peur des avions. Ah oui, j'ai pris une fois l'avion, plus jamais. Oui, c'est ça, Pseudoless. J'ai le vertige, j'ai peur de me noyer. Bah, j'ai le vertige. Avion, vertige, tout ça, ça va finalement un petit peu ensemble. J'ai peur des rats, j'ai peur des serpents. On va dire des serpents. Ah pardon. Alors, j'ai peur des pistolets, j'aime pas trop les couteaux. J'ai peur des cafards. Oui, non, j'aime pas les cafards. J'ai vécu un jour avec des cafards, ils ont... Merde. J'ai peur des clowns, j'aime pas trop les clowns, non. Oui, les cafards n'ont aucun sens de la vie en communauté. J'ai vécu avec des cafards et j'en garde un très mauvais souvenir. J'ai peur des corbeaux, non, ça va. Le sang me dégoûte pas tellement non plus, mais bon, faut bien choisir. Oh, je vous ai fait peur. Mille excuses. Oui. Vous en sortez bien. D'accord. Détendez-vous. Non, j'aime pas trop les couteaux. Essayez. À part quand on fait la cuisine avec. Plus vous fonctionnez à l'instinct, plus vos réponses seront franches et plus cette expérience sera source d'enseignement. Eh oui, de la cour, j'étais dans un endroit un petit peu insalubre. Alors oui, j'ai vécu avec des cafards. Alors là, le choix est quand même difficile, hein. Est-ce que j'ai plus peur des araignées ou plus peur des cafards? Si à l'instant présent il y avait une araignée ou un cafard qui venait sur mon bureau, je pense que c'est l'araignée que j'aurais du mal à supporter. Surtout si elle ressemble à celle-là. Ouais, là du coup j'aime un peu moins les aiguilles, même si ça passe encore. Tante. Oui, Julien, je sais. Oh putain. Ah non, j'ai pas peur des zombies. Avec tous les zombies que j'ai défoncés dans des jeux, non. Ils me font plus peur. Par contre, les clowns, j'en ai défoncé aucun. Du coup, ils me font toujours peur. Il y en a encore pour longtemps. Ah putain, les orages. Ah non, mais entre une aiguille et un orage... un orage, quoi. Voilà qui est intéressant. Merci. Grâce à ce magnifique jeu, je vais découvrir que je suis peut-être une psychopathe. Les araignées, les clowns, les orages. Drôle de combinaison, de quoi passer un bon vendredi soir.
regrette. La session touche à sa fin, mais je vous promets que nous en reparlerons bientôt. Mais pourquoi 6 ans et demi? Oui, alors, oui, Pseudoless, c'est donc ça. Si on me pose la question, c'est parce que c'est ce que on va me foutre dans le jeu ensuite. D'accord, j'espère que c'est une blague. Pas encore que les orages, je m'en tape tant que c'est pas en vrai. Un clown qui se pique en chevauchant une araignée un soir d'orage. Vous par exemple, oui. Juste une blague, Anna. Donc là, on a le résumé de ce qui s'est passé avant, c'est ça? Non. Voilà, pour commencer, je... Ouais, bah si c'est ça, Pseudoless, j'aurais bien aimé qu'ils mettent des poneys. Des poneys, des bonbons, des trucs comme ça. Ça aurait été bien plus sympa. Du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des... Ah bah c'est sûr que je vais me taper un clown, bah, en même temps, tant mieux, parce que quelque part, si je m'étais tapé un zombie par exemple, ça m'aurait quand même fait moins peur. Ouais, je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. J'aime pas parce qu'il y a des bruits bizarres chez moi, et je suis un peu toute seule et je vais commencer à stresser, si jamais ils mettent des clowns, bref. Je trouve que la montagne grandit à chaque fois que j'y grimpe. Ah ouais. Alors, est-ce que je vais encore faire un chapitre? Et je pense arrêter là, ou au moins faire une pause. Et si vous voulez continuer le jeu, je continuerai. Si vous voulez passer sur autre chose, j'ai un autre jeu à vous proposer après. C'est alors, le jeu s'appelle Devilry. Mais moi, j'ai décidé que je l'appellerai Devil Ray. Et je vous emmerde, je l'appelle comme je veux. Allez, t'as grandi ici, tu dois avoir l'impression qu'elle rétrécit. Ouais, ça doit être vrai. C'est quand que tu vas installer des antennes relais ici? Je commence à plus capter. Bah, si t'as 1 million en trop, donne-le-moi, et puis je m'en occupe. Ah bah, puisque... Une araignée déguisée en clown, mais oh, oui. Oh, dommage, il est dans mon autre veste. Oups. La ouais, peur ultime, quoi. Comment ça s'est passé? Devil Ray, oui. Mais je t'emmerde, je me fous comme je veux. Mais bon, on va tout avoir. Ouais, ça a été. Mais c'est un peu étrange, quand même. Enfin, vous me direz... C'était bizarre d'être de retour ici. Vous allez trop loin, là. Un orage déguisé en aiguille, non, c'est... Salut, Jarl. Jarl, yo, yo, Jarl. Yo. Est-ce qu'on va finir par y arriver ou quoi? Ouais, mec. D'accord, Clapstock. Attendez. Matt, tu vas bien, déjà? Hey, comment ça va? Je veux dire... Je sais que ça doit bah après, je sais pas combien de temps durent les chapitres, mais après celui-là, on va passer sur l'autre, je pense. Non, sérieusement, je passe à autre chose. Là ou tout de suite? Vous voulez qu'on change tout de suite? On profite. Tu sais, comme vous voulez. C'est vrai que là, ça a pas commencé vraiment, quoi. Le jeu a pas vraiment commencé, c'est un peu long. Donc on continuera sûrement, mais... Il y a peut-être d'autres entrées. Ah ouais, il y en a des millions, mais... Mais si vous en avez marre, on change. Il doit bien y avoir une fenêtre qu'on peut ouvrir, d'une façon ou d'une autre. Attends une seconde, tu veux dire... On peut faire un Stropole, oui, si vous voulez. C'est oui. Pas vraiment une... Mais je vous laisse le soin de le faire. Ouais. En faites-en qu'un, hein, parce que... Oui, parce que je suis un peu flemmarde. Allez, je te suis l'artiste. Donc si vous voulez en faire un... Julien, fais-en un. Je nomme Julien. Julien ou Clapstock. Mais les modos. Salut Chris. Ce sera plus simple. Ça fait bizarre surtout d'être de retour. Tu vas bien? Oui. Sauf que j'ai un peu froid, et que cet endroit me donne la chair de poule. C'est bizarre d'être de retour ici, hein. Ouais. Prenez celui de Julien. Ça sera bien plus simple. Oui, désolé de la cour, mais bon, du coup... j'ai aucune idée d'où je vais, mais j'y vais. J'ai pas suivi. Ashley était carrément calme. Alors attendez, juste... J'ouvre le... Stropwell. Voilà. Pour voir les résultats en direct live. Ah, il y a un truc qui brille dans l'arbre. C'est une fille qui doit vraiment valoir le coup, tu penses pas? J'aimerais vraiment lui arracher sa parka et me rouler dans la neige avec elle, tu vois. Ben ouais, carrément. Bah ouais. Carrément. On a qu'à faire ça à toi. Alors, quand est-ce que tu vas la mettre dans ton lit? Comme si c'était possible. Arrête de dire ça, mec. Elle passe presque tout son temps avec toi en ce moment. Bah ouais, mais tu sais, on est que des amis. Écoute, mec, regarde autour de toi.
Regarde ces belles montagnes. Est-ce que tu vois des parents? Tu peux imaginer un scénario plus parfait. Tweeter vite fait le stropoil. Toi et Ashley, enfin seuls. T'as fait le plus gros du travail. T'as été le parfait gentleman. Maintenant, il est temps de passer à l'attaque. Attends, j'arrive. Voilà. Donc, alors, il s'est passé quoi ? S'opposer, j'en sais rien, t'as peut-être raison. Allez. Je sais pas. Mais comment tu peux ne pas savoir? Mais si ça devenait bizarre. Donc si, c'est qui vote? Qu'elle ne voulait plus être mon amie si je tentais quelque chose. Tu m'as pas écouté ou quoi? Oh ben Julien, je fais ça plus tard. Enfin bon, non. Bon, je refais mon tweet. Chalet de mes parents. Et qui a dit que j'avais un plan? Ouais, j'en avais l'impression. Tu ferais mieux d'en trouver un, mon gars. Sinon, t'as quatre jolies filles qui vont se geler les fesses. Et aux dernières nouvelles, c'est pas mieux si tu veux toucher. Toucher? Personne n'aime les filles que je l'ai. Alors, attends. On peut continuer à aller là-bas? J'aime bien aller dans la forêt. Tout seul. J'ai presque plus de batterie. J'ai oublié d'éteindre le GPS, merde. Bon, ben voilà. Je suis dehors et que je peux enfin l'utiliser. Hey, tu veux pas le lâcher ton téléphone? Hein? Pourquoi? Parce que t'arrêtes pas de parler de ça, mec. Bah, je peux faire mais c'est vachement important, les téléphones. T'as une appli qui pourrait nous faire entrer dans le chalet? Non. Et t'en as une pour... Attends. Ah, je vois un truc intéressant. La réponse est non. Il y en a pas. Ah ben non, en fait. Ah là, par contre... Ça me pose souci, il n'y a plus de... Quelle est qui devrait normalement supporter une hache, oui, donc normalement, voilà. Fallait pas prendre un Apple. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir cette merde? Eh bah dis donc, on a affaire à un intello, bien joué. Ah non, on peut... Oui, il l'a déplacé. Chouette. Bah pour l'instant, Devil Ray est à 7 votes. Until Dawn 4. Bah écoutez, jusqu'à... je laisse encore 10 minutes. Non, 5... Bah 10 minutes. Et on verra au bout de 10 minutes. Mais par contre, ça sauvegarde... Pendant les cours d'escalade. Quoi? En sport? Oui, enfin, quand ça aura sauvegardé. Il faut grimper à la corde. Bim. Wow. Alors. C'est fait ça, moi? Non, je pense pas. Tiens, utilise ça. Ouais, c'est automatique, mais c'est juste que je fais pas attention quand ça sauvegarde, donc je saurais pas si je quitte, si ça a sauvegardé ou pas. Et c'est quoi? Ok, alors, je suis presque sûr d'avoir un déodorant dans une des salles de bain. Tu pourrais l'utiliser avec le briquet. D'accord, parce que moi, j'ai cru que je voulais dire que je peux comment un déodorant pourrait aider? C'est un vaporisateur. Ah, ouais, j'ai compris. Un lance-flamme. Comme on fait avec les petits soldats. Ouais, ceux qu'on a fait fondre. Dirige le déodorant vers le briquet et... Adieu, serrure gelée. Super. Alors tu fais ça. Je vais essayer d'arranger quelque chose. J'aime tellement pas sa tête à lui, est-ce là. Est-ce que t'es prêt à fouiller un peu dans le noir? Une tête de fouine, une tête de... Je sais non, pas. Non, mais j'y vais. Et bon courage, mon vieux. Ok. Alors du coup, 13 votes, toujours Devil Ray, donc. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un totem, bah, décidément. Ok,
Totem de perte. La perte potentielle d'un ami. Les tribus générées, bah ta gueule. Ok, bon. Sa voix ne va pas du tout avec sa tête, c'est vrai. Sa tête ne va pas du tout avec son corps non plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, c'est con parce que du coup, on n'aura pas vu ce qui se passe si on quitte maintenant. Alors que ça se trouve, il va se passer quelque chose dans pas longtemps. R2. Oh, hein, The Alberta de Gale, un ancien concierge condamné pour incendie criminel, jure de se venger de la famille des manias du cinéma. Enfin, etc. On verra plus tard. J'avoue, je... Hein. Ici, il y a quoi? Des plantes. Il y a des portes. Il y a, je sais pas trop ce que c'est, un tableau. C'est quoi ça? Oh, cool. D'accord. Bah ouais. Voilà la porte. C'était quoi ce truc? J'ai rien vu du tout. Bah allons-y. Là, ça commence un petit peu à stresser. Oh ah oh, salut, Chris, très marrant. Mais comment tu m'as reconnu? Est-ce que tu ne devais pas essayer d'ouvrir la serrure? J'y vais. Bon, écoutez, je pense qu'on va pas tarder à passer sur Devil Ray. Putain, je... J'essaye tellement de le dire bien, mais ça sort tellement pas naturellement que... Alors... Puis moi je regarde tout. Ah, allumons la télé. D'accord. Bah écoute, hein, je compte pas acheter la maison, donc ça me sert à rien de me faire visiter. Quand est-ce que il y a qu'il se passe des trucs? Mon dieu, on ne peut pas passer. Mon dieu, je suis bloquée. Alors, très joli déco hein, au passage, hein, j'aime beaucoup. Chez moi, ce sera pareil. Enfin, ouais, j'avoue. Déjà, là, c'est pareil, j'ai déjà accroché des trucs au mur, des têtes de... D'animaux morts, bien sûr. Tiens, tout ça. Eh, mais c'est... En fait, c'est un grand escalier. Oh, les photos de famille. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens. Josh et ses adorables sœurs. Ouais, ok. Ah bah oui, c'est noir, hein. Puis... C'est très, très gênant pour avancer. Alors, ici, il n'y a rien. Ici, il y a une porte. On ne peut pas l'ouvrir. Ici, il y
a pas l'air d'y avoir grand chose. Donc on va aller là-bas. Hein. D'accord, toutes les portes sont fermées. Cool. Et on peut rien faire, quoi. C'est vraiment... Y a vraiment rien à faire là. Bon, avec la petite musique, ou c'était un bug du jeu ou j'ai vu un truc. Bah je vais remonter hein. Bah il est, oui alors le déo c'est dans la salle de bain, on est d'accord hein. Non je ne sais plus. Bah écoute, moi je clique sur tout ce qui brille. Le screamer avec Stéphane Plaza. L'horreur quoi. Ah oui mais c'est fait exprès pour que... Ah bah tiens j'ai... Ah attends, hop hop hop, c'est quoi ça? D'accord, c'est exactement la même chose que ce que je viens de faire. Ici j'ai déjà essayé, c'est ça? Ça veut pas? Ok. Bah il marche plus vite, tu vois pas là? Là il marche pas vite. Là il marche plus vite. Là il marche pas vite. Là il s'arrête. Là il s'arrête. Là il remarche. Là il va vite. Là il s'arrête et il remarche pas vite. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est? Allez, écoutons. Un nouveau message. Nouveau message. Bonjour, Madame Washington. C'est le sergent Tate à nouveau. J'ai de mauvaises nouvelles. Nous avons revu le dossier et il n'y a vraiment rien qu'on puisse faire. Il a été libéré. Nous n'avons aucun recours légal pour limiter ses déplacements. Je sais que vous espériez autre chose, alors appelez-moi si vous souhaitez en savoir plus. Attends. Fin des messages. Donc oui, alors ce putain de déo, il est où? Ouais, les maps dans les orteils. Bon, ça va, il a des chaussures. Ah non, ça c'était la télé. Oh, j'ai sûrement dû louper des trucs, hein. Bah, forcément, de toute façon. Ici, j'y suis allée. Ici, y a rien. Ici, je connais déjà. T'inquiète, je vais le remercier, Clap. Et merci, très Edo. Ouais, mais non, c'est là d'où je viens, ça sert à rien. Donc ça, on s'en fout. De rien, ch'ti moustique, à plus. Mais je pense que je vais pas tarder à arrêter celui-là parce que je tourne en rond et que ça commence à me saouler. Un petit peu. Et que, comme d'habitude, je tourne, et je suis sûre que je suis passée devant et que j'ai rien vu parce que, bah, parce que voilà, quoi. Et de l'autre côté... Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, madame... Ouais, c'est vrai que c'est un peu chiant le fait de... Quand tu cherches et qu'en plus, ils marchent lentement. Bon, bah écoutez, hein, pour l'instant... Ouais, en plus, je vais peut-être... Parce qu'il est quand même 22h. Toujours pas. Ok, ici... C'est pas faux, ça. Funérium. Si l'action se passait à Paris, il n'y aurait que deux pièces à fouiller dans le 15 mètres carrés. C'est sûr, ça serait plus rapide. Alors, bon, bah écoutez, hein, on est d'accord pour changer de jeu, hein. On verra la prochaine fois. Je vais peut-être essayer d'avancer toute seule, d'essayer de trouver du déo, donc. Hein, parce que, enfin, bon, je sais, j'en ai pas loin. Enfin, si tu veux, j'en ai un dans ma salle de bain. Hein. Oui, non, mais on s'en fout. Et du coup, on va passer sur Devilry, quelque chose comme ça. Parce que j'ai visité la maison et non, je confirme, je l'achèterai pas.
J'aime pas trop la déco, j'aime pas trop tout ça, quoi. Hé, mais on peut... Attends. Ben non, oui, c'est là que je viens d'ici. Bon, bref. Allez, on va passer à un autre jeu. Du coup, je vais couper le stream. Et d'ici, je vais prendre une petite pause aussi au passage. Donc, d'ici, on va dire 20 minutes. D'ici 20 minutes, grand max une demi-heure, je suis de retour. Pour un jeu PC, Devilry. Et voilà. Donc, ne quittez pas. Ou barrez-vous. Faites comme vous voulez en même temps. Vous êtes je ne vous oblige à rien. Et voilà. Donc, à tout à l'heure.